Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On était dans le parc de Célérion. On nous a demandé un certain nombre de choses, on va aller voir tout de suite en jeu. Et nous voilà donc. Donc on est pour l'instant qu'au début, on va dire, puisqu'on a attrapé la moitié quasi des Tinikin. Et on est très loin du nombre de pollens qu'il nous faut. Et surtout, eh ben, on ne connaît absolument pas tout ce qu'il faut faire, puisqu'on n'a attrapé aucun des quatre objectifs principaux. Et on ne connaît que deux des trois quêtes secondaires. On va continuer d'explorer, donc du coup. Allons-y! Navré de vous importuner, je sais que vous préparez la course contre l'écurie rouge, et je voudrais pas abuser de votre temps, mais... C'est déjà le cas. Allez, l'essentiel, ou taisez-vous. Pardon, les parieurs choisissent tout Shumi à cause de cette victoire consécutive. Personne ne s'attend à ce qu'ils perdent. Je dispose des connexions nécessaires pour faire en sorte que sa voiture subisse un dysfonctionnement inattendu. Vous gagnerez la course, et moi... Misérable, pathétique, répugnant. Je préfère 100 défaites honorables à une victoire couverte de honte. Vous m'avez mal compris. Risible, vermine, riche, puissante, tu veux tâter de mon dard, racaille! Je... Pardon, pardon! Ça donne un peu l'ambiance sur cette course qui se présage tendue. On va un petit peu essayer d'aller explorer puisqu'on n'est pas allé dans les zones pour l'instant. Donc des petites signes bleues, des gros machins qui brillent. Un machin qu'on peut bouger. On peut bouger dans quel sens? Dans ce sens. Non, c'est pas tout. Parfait. Un cupcake de pollen a explosé. C'est parfait. Des tinis bleus. Il y a une corde, tiens. Ok, il y a une corde. Des tinis verts. Et un truc a explosé qui nous permet d'aller ici. Ok. Ok, libérer une prise. Et ici, ici ça nous permet d'aller là, c'est parfait. Je pense qu'avec 47 tini, on a assez. C'est ça, il en faut 28. Pas obligé de monter. Est-ce que je peux monter? Je peux monter comme ça. On va essayer de faire le chemin le plus court en termes de tini, en tout cas. Parce qu'avec tous ces coins et ces recoins, ça nous fait zigzaguer. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a le droit autant de tini. Il faut qu'on aille. Faut qu'on aille à la prise qui est là. Ok. Je peux pas le faire descendre. Hein. Faut que je le fasse descendre. Voilà. Donc on a réparé la grande roue. Ce qui nous permet d'avoir du pollen. C'est déjà très bien. Ah, il est reparti! Moi, non, je refais pas un tour de ce truc au niveau des sensations, j'ai rien ressenti. Donc il y a le petit bousier qui est là. On va voir si on peut... S'il y a un caisson. Un truc là, une belle connette, une cajounette qui est plus intéressante que les autres, genre celle-là. Celle-là est intéressante. Elle va nous permettre aussi de monter dans les étages qu'on n'avait pas forcément été voir. Ça va être plutôt cool. Hop.
Et on va essayer d'aller parler au bousier. Loué soit Hardwin, j'aurais fini par devoir manger les sièges. Parfait. Donc on va voir un peu comment on peut grimper. Où est-ce qu'on peut grimper? Qu'est-ce que ces étagères nous réservent comme surprise? Alors, des petits tinis. La voiture cassée. Il nous en faut 8, on a ce qu'il faut. Et on a assez de tinis verts pour grimper ici également. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Par contre, ouais, voilà. C'est un peu ce que je pensais. Il va falloir qu'on aille ici. Je sais pas si on a assez de tinis jaunes. 33. On a ce qu'il faut. C'est parfait. Donc, même punition ici. On va monter sur le dos du dinosaure. On va attendre qu'il passe pour récupérer nos tinis. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas assez pour dire de se permettre de les laisser. Et on va surveiller doucement où est-ce que ça va. Ça passe par là. Ok. Ah! Ok, ça passe par là, mais ça peut pas passer parce que... Parce que... Il peut y avoir un poids. Je vais grimper pour voir un peu ce qu'on peut faire. Ce qu'on a encore pas trop exploré à l'intérieur d'ici. D'ailleurs, je vois que on n'a pas exploré beaucoup de choses. Parce que j'ai vu des choses à explorer de l'autre côté, mais bon, c'est un peu logique, hein. Au début, on n'a pas beaucoup de tini, on peut pas aller à beaucoup d'endroits. Hop. On grimpe, des tini roses. Je vois toujours rien qui ressemble à un poids qui me permettrait de contrebalancer. Ah, par contre, là, il y a la flèche. Il y a un petit peu de bouffe, c'est parfait. Et il n'y a pas de quoi redescendre. Du coup, je me pose toujours la question. Parce que si, il y a quand même... Ah, le poids est là, je l'avais pas vu. On va regrimper, du coup. Hop. Voilà, ça c'est parfait. On a débloqué ici. J'imagine que... Oui, voilà. Je peux pas grimper à ce genre de choses. Par contre, du coup, je vais aller là. Quitte à être en train de voler, autant être en train de voler de manière intelligente. C'est parfait. On débloque ça également. Je sais plus si j'ai été à l'intérieur. Je suis pas tout à fait sûre. Hop. Et j'entends mon chat qui fait des conneries. Forcément. Là, on a ça à casser. Et du coup, est-ce que je suis allée par ici? Non, je ne suis pas allée par ici. Parfait. On a encore des choses à faire en haut, visiblement, au niveau du petit train. D'ailleurs, j'ai un peu arrêté de suivre ma voiture. Alors, ma voiture a dû passer là. Parfait. La voiture est partie à l'atelier de réparation. Pff, encore, quel gâchis. Et il se demande pourquoi je cours plus. Pauvre épave. Laisse-la ici, je vais la retaper dardard. Voilà, donc on va pouvoir aller retourner chercher la voiture et l'amener sur la piste
J'allais dire de danse, mais non, sur la piste de circuit, tout simplement. Ok, on a un gigantesque écosystème dans ce... dans cette cachette. Parfait, déjà, on ouvre ici. On se casse la figure aussi, c'est très bien. Un petit peu de pollen, ça monte très doucement le pollen, je vous avouerai que on est encore très loin des 900. Ça monte, hein, ça monte tranquillement, ça monte tranquillement. Donc on peut grimper ici avec des tiny verts. C'est parfait. Je vérifie qu'il n'y a pas de livres cachés sur les rayonnages comme on a pu avoir les fois d'avant. Avec des livres qui permettaient de d'avoir un petit peu de pollen. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ici, il y a du pollen, tout simplement. Et on voit quand même qu'il fallait beaucoup de tiny rouges pour arriver jusqu'ici. Hein. Parce que ça... on en consomme. Hein. Il nous en reste plus que 7. Et du coup, on va pouvoir amener l'électricité donc de l'autre côté du rideau. Est-ce que j'ai assez de tiny bleus? A priori, oui, hein, ce qu'on nous dit. 30 tiny. Et nous, on en a un petit peu plus. Donc on va... on va descendre. Donc l'objectif c'est de descendre par là. Comment je vais pouvoir faire ça? Ouais, donc là cul-de-sac on fait demi-tour. Est-ce que je peux passer là? Je peux passer là. Et la prise était pas très loin par là. La prise est pas très loin par ici. Parfait. J'imagine qu'on peut remettre le courant tout simplement. Comme ça, donc voilà, le petit train est débloqué. C'est parfait, on a débloqué le petit train. On va pouvoir aller rechercher notre voiture. Petit tiny bleu que j'ai laissé là comme ça, tout seul. On a une enveloppe pour l'instant. C'est pas fifou. Ah, j'aurais pu ramener ma flèche plutôt que me la taper. C'est pas grave. Jusqu'au jour où il me manquera un tiny et où ce sera un peu plus grave, mais. Ici, on a un placard. Je vais le faire. Je vais le faire. Et on ira voir les tiny après. Les tiny, la voiture. On va essayer de trouver du pollen. Hein. C'est... ça reste quand même notre objectif principal. Hein, trouver du pollen, bien évidemment. Puisque, avec du pollen, on devient plus fort. Puisqu'on gagne... des bulles de planeur et que nous on a dit qu'on essayait de faire le 100% pollen et que donc un petit peu voilà. Est-ce que je
peux grimper. Je peux grimper. Parfait. On pourrait grimper encore plus. Du coup, c'est ce que je vais faire, mais surtout, je vais débloquer ça. Comme ça, on pourra remonter. Et nous, on va se contenter de prendre du pollen. Et d'aller s'occuper de la voiture. Oups, je suis tombée. Donc la voiture, il nous faut 8 tini. On a ce qu'il faut. C'est parfait. Alors je vais essayer de prendre un petit peu d'élan et d'aller choper les pollens qui sont là. Parfait. Il y en a d'autres hein, que j'ai laissé au niveau du circuit. Il y en a plein qu'on a laissé au niveau des circuits. On va déjà récupérer cela. Et récupérer les tini qui vont avec. Ça y est, la voiture bleue est sur la ligne de départ. Ici, c'est juste fantastique, je trouve. Il y a des tonnes de choses qu'on n'a pas faites. Faut pas oublier déjà de faire ça. Il y en a. Il y a un petit peu de pollen ici. Hop. On peut grimper. Un petit peu d'élan. Je crois que j'ai oublié d'éclater celle du milieu. Oui, je suis pas montée jusqu'en haut. Tout à fait. C'est toute la complexité de ne pas se laisser distraire alors qu'on est dans le parc du divertissement. Il y a tellement de choses à faire. Alors, on va récupérer les petits univers. On va récupérer ça. Redescendre. On grimpe pour casser ça. Et on va aller ici. Hop. Parfait. Des tini, on adore les tini. Donc ici on est déjà venu, mais visiblement je n'ai pas écrabouillé cette chose là. Écrabouillé. Explosé. Ah, je peux pas avoir une meilleure vision. Voilà. Parfait, on est déjà 500 de pollen. C'est déjà cool. C'est cool, c'est cool, ça monte. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on commence à avoir suffisamment de tini pour aller un peu partout. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller par là, par exemple. Je pense que... Voilà, on va pas se priver, on va faire simple. Ah, j'ai plus de tini rouge. Arnaque.
J'en ai pas assez pour monter jusque-là. Voilà, on va résoudre ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des tiny roses. Et... ah, oui. Une pièce de circuit. C'est parfait, une pièce de circuit, ça nous va très bien. Ah, oui, mais j'ai plus de tiny rouge, moi. J'ai trouvé un super endroit et j'ai plus de tiny rouge. Ah, il y en a là-bas. Je sais pas si 3 ça va être suffisant. Probablement que non. Ouais, probablement que non, hein. Parce que 2 ici. Il en faudrait 4 ici. On va essayer de se souvenir qu'on n'a pas ce qu'il faut. On va essayer de se souvenir. Est-ce que je vois d'ici des tiny rouges qu'on pourrait aller exploser simplement? Oui, tout simplement. On va aller chercher des tiny rouges. Tout simplement sur ce super dinosaure. D'ailleurs, je vois qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites en haut ici. On a laissé du pollen. Je vais y aller. Ça nous fait faire un détour, mais... mais j'ai laissé du pollen là. Honte à moi. On va en profiter du coup pour amener la flèche ici. C'est parfait. Il nous manque le boulet de canon. Je me souviens plus où est-ce qu'on nous a dit qu'il était. Ah oui, du coup, les tiny là-bas, ils attendent qu'on les remonte. Bien évidemment. On va le faire. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, bien évidemment, parce que j'ai laissé les autres là-bas. Je vais utiliser les tiny pour faire ça. Je vais me garder quand même un petit peu. Est-ce que ça suffit que je fasse ça? Je sais déjà plus. Il nous en manque un, sérieusement. Il nous en manque un. On progresse. On progresse, on progresse. On va devoir pas oublier qu'il nous en manque un. Pour l'instant, on va gérer cette voiture. Voiture qui va passer je ne sais par où. Par là. Non. Hop. Il m'en manque un tout petit peu, bien évidemment. Comme d'habitude. J'ai l'impression que ça va être le leitmotiv de cet épisode. Il va me manquer des tiny pour un peu tout. Ah, je vois des petits rouges aussi en face. Même si c'est un peu loin. Ici, on n'a pas ouvert. Comment j'ouvre? Comme ça. Voilà. Donc, je sens que je vais l'oublier, hein, si je me laisse pas la possibilité
tout de suite d'aller chercher des tini rouges. Je sens que je vais oublier que j'avais des choses à faire. Je sais plus si j'ai une enveloppe. J'ai une enveloppe. Parfait. Je vais aller chercher ceux qui sont dans le tiroir là-bas. Pour en avoir un, pour aller exploser ce qui nous restait à exploser. Parce que je me connais, sinon je vais oublier. Et on aura juste l'air de patate quand on cherchera le dernier pollen qui nous manque. Et en se souvenant pas que j'en ai laissé par là. Voilà, donc on a réparé le circuit, ça avance extrêmement bien. Même s'il y a encore plein de choses que j'ai pas fait. Parce qu'on a toujours pas trouvé la dernière quête. On va grimper là. Hop. On va faire simple. Non, je peux pas. Ok. Ah. Ouais. Moment 4, mais moi je peux passer. C'est l'essentiel, on va dire. Voilà. On grimpe. On grimpe. Voilà, et on casse ici pour avoir 606. On va quand même vérifier par ici. C'est là d'où on vient, donc tout va bien. Et en dessous, il n'y a rien. Parfait. Donc on récupère ici. Hop, on démonte là. On va aller... ici, je vois qu'il y a une rangée de pollen à récupérer. On est pas mal. Il y a encore pas mal de choses qu'on n'a pas récupéré. Tout là, on n'a pas récupéré. Mais on commence à avoir fait quand même une belle progression sur certains endroits. Alors, pas tous, hein, on va pas se mentir. Il y a des endroits comme ici où on va un peu plus s'amuser. Mais mercredi. Je me souviens plus où est-ce qu'on a vu l'éléphant. Et là ça commence à être un peu critique. Parce que je pense qu'on a ce qu'il faut pour l'éléphant. On a 31, il fallait 20. Je crois que l'éléphant était par là. Dans le château. Donc pas ici. Pas en haut. Pas ici non plus. Donc non, l'éléphant n'était pas dans le château. Ah oh là là, où était cet éléphant? Je ne sais plus. Donc on n'a pas encore fait cette zone là. On n'a pas fait non plus ici. Je vais aller là. Ça va nous permettre d'avoir des tini. Le fantôme. Bouh. Ok, donc on a cassé ici. On a le crocodile. C'est pas mal quand même. Ça me dit pas où j'ai vu l'éléphant, hein, mais... Où est-ce qu'on a pu voir ce téléphone? Où est-ce qu'on a pu voir cet éléphant?
Ah si, on l'a vu par là. On l'a vu par là, on l'a vu par là. Donc pas tout en haut visiblement. Pendant ce temps-là, les Tini nous mettent le crocodile. Il n'y a pas d'éléphant ici. Il n'y a pas d'éléphant ici. Ah mais non, l'éléphant, ça y est. Ça y est, mon cerveau est en train de connecter ses neurones. Et on arrêtera l'épisode une fois que j'aurai trouvé cet éléphant. Parce que, quand même, ce serait dommage de passer à côté. Je peux grimper là, je pense. Hop. Sauf si je me casse la figure, mais ça c'est un détail. Hop. L'éléphant est là. Voilà. Du coup, on a le chat, on a le dinosaure, on a il va nous en manquer un. Il va nous en manquer un. Il va nous manquer. Est-ce qu'on peut savoir? Le serpent. Il va nous manquer le serpent. On va juste attendre que les Tini fassent leur chemin. Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas. Je les vois bouger. Non. Je m'inquiète un peu, c'est long. C'est pas impossible qu'ils soient coincés. En tout cas, ils sont plus là, donc je sais pas où ils sont. Ils doivent être sur le chemin. Où êtes-vous, les copains? Parce que la logique voudrait qu'ils soient descendus par ici. Et qu'ils aient fait le tour d'un côté ou de l'autre. Et je vois pas de raison qui ferait qu'il se soit perdu en route. Mais il semblerait qu'il se soit perdu en route. On va essayer de les trouver. Ça va faire un... Ah, ils sont là. Ok. Donc, comme promis, on les débloque. Et on s'arrêtera sur ce posage d'éléphant. Un épisode un petit peu long, mais c'est pour la bonne cause. Ça en fait quand même encore pas mal. Et voilà donc pour l'éléphant. Sur ce, on va se laisser. J'espère que ça vous a plu. Bye bye!